Donc, on est ici dans le massif de Stavelot. C'est une région très ancienne. Donc, c'est ici qu'on trouve les roches les plus anciennes de Belgique. Et donc, ici, vous êtes dans un espace de découverte qu'on appelle le musée du Coticule. Le Coticule, c'est le seul schiste jaune. Donc, on le retrouve en veine. Et c'est une roche qui est très ancienne, plus de 480 millions d'années. Et c'est une pierre qu'on appelle ici pierre à rasoir, pierre de Vielsalm ou pierre à affiler. Donc c'est une roche qui est unique au monde, qu'on ne retrouve que dans un triangle de 20 km de côté. Donc c'est très très régional. Donc ici je vais vous montrer en vitesse comment on fait pour affiler les couteaux. Donc c'est vraiment pour refaire le morfil de la lame. Donc on passe comme ceci toute la lame sur la pierre de Coticule. Comme ceci. Voilà, donc ici je vous montre une pierre de Coticule et une lame à affiler. Donc on passe comme ceci toute sa lame sur la pierre de Coticule. On l'utilise toujours avec de l'eau, car c'est une roche qui n'est pas poreuse. Donc voici comment on fait pour utiliser une pierre de Coticule. À savoir qu'il faut utiliser toujours la pierre de Coticule avec de l'eau, c'est le plus important. Donc il faut passer comme ceci toute sa lame sur la pierre. Donc pour une usure normale, on repasse une dizaine de fois son couteau dans les deux sens pour une parfaite satisfaction. Donc ici, nous nous trouvons près d'un lapidaire qui sert à polir les pierres. Le deuxième est ici. Et ensuite, nous avons ici la débiteuse à sec. Donc la débiteuse à sec servait à tout simplement recouper la pierre à la bonne longueur. Donc voici la machine, comment elle fonctionne, comme ceci. Et donc le sillage se fait dans ce sens-là. Voici ici la première machine qu'on peut découvrir dans notre atelier. Donc ça s'appelle l'armure. Ça sert à découper les blocs au bon gabarit. Donc les blocs arrivaient ici avec les chariots et les chevaux. Et les blocs étaient découpés à la bonne épaisseur avant de passer aux autres machines. Alors ici, donc la pierre, elle est brute. Elle est arrivée ainsi ici à l'armure. Je vais faire couler l'eau et baisser les lames. Et alors l'action des lames et du sable va scier la pierre à la bonne épaisseur. Alors je fais couler l'eau. Voilà. Donc avant d'avoir les machines, le sillage se faisait à la main. Donc avec une lame de faux qu'on réadaptait ici, on y ajoutait des poignées en bois. Et beaucoup de personnes faisaient ça aussi en hiver pour avoir un peu plus d'argent à la fin du mois. Donc voici la pierre de Coticule, notre fameuse pierre à rasoir, sert toujours à l'heure actuelle. Elle est encore exportée à l'étranger et on l'utilise encore beaucoup dans le bûcheronnage et dans certains métiers où on a besoin de précision comme la menuiserie, la cuisine, etc.